Salut Deadpool, salut Tracker, salut Sandrine, salut Swat, bienvenue à vous, merci beaucoup Tracker pour ton... Non, c'est ton cinquième mois, je comprends pas pourquoi ils mettent 4 mois, mais c'est ton cinquième mois Tracker, merci beaucoup Tracker, j'espère que vous allez bien. Yop yop tout le monde, c'est Claude for Life, on se retrouve pour une nouvelle playlist sur Black Sad Under the Skin, sous la peau. Ça peut être sympa. Bien sûr, comme d'habitude, ben, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, à partager, pourquoi pas, ça fait plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux également, les liens sont dans la propos de la chaîne et je vous invite fortement à cliquer sur l'onglet chaîne, aller checker les chaînes des potos, des modos et des contributeurs. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents et pourquoi pas des contenus qui pourraient éventuellement vous plaire. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Salut Swat, je sais pas si je t'ai... Ouais, Swat, c'est un très très ancien Swat, c'est... ouais, c'est presque les débuts de la chaîne. C'est la promo, hein, et pas passé 4 mois plus 1 mois offert. Non, je suis pas généreux, moi, je suis un radin, moi, Tracker, lol. Lol, je suis un des rares qui partage publiquement les revenus engendré sur YouTube, que ce soit avec vos subs ou avec les vues. Vous regardez dans l'onglet communauté, vous regardez sur les réseaux sociaux, je les partage parce que j'estime que c'est important. Parce que peu importe la somme, je pense que ce petit plus, c'est vous qui me l'apportez. C'est ce qui me permet aussi de d'acheter un jeu, une manette, d'organiser occasionnellement des concours. Parce que ça rentre en ligne de compte. Maintenant, c'est pas avec ça que je vais vivre. Hein. J'ai pas encore démissionné. Hein. Faut pas déconner non plus. Je suis pas encore à Squeezie. Et je le serai jamais. Lol. En tout cas, j'espère que vous allez bien, que vous passez une belle semaine. Donc je sais que j'ai pas stream depuis un moment. Encore une fois. Bah parce que beaucoup de boulot, tout simplement. Beaucoup de boulot. Hein, Black Sad, c'est pas facile, faut pas que tu oublies le moindre détail. Mais écoute Sandrine, je ne l'ai jamais fait. Je l'ai testé vite fait 5 minutes, mais je ne l'ai jamais fait. Déjà l'image du début me plaît. Mais ça doit être mon côté sadique. Ah mais je t'ai salué Sandrine. Ah merci beaucoup Swat. Ah, c'est un peu embêtant, j'ai pas encore de modo sur la chaîne pour mettre les liens. C'est un peu embêtant, tiens, du coup, Tracker, hop, tiens, je te mets une promotion, Tracker. Ça, tu peux mettre ton lien avec. Hop, un petit instant. Hop, on se tait, tiens, hop. Soit, ce qu'il est, Tracker, tiens, promotion, Tracker. Voilà. Promotion à Tracker, si Tracker veut bien mettre son lien et le lien de Swat, ça serait super gentil. Parce que j'ai pas encore de modo sous la main. Lol. Et alors, du coup, ce jeu, je vais le faire à la manette. Oui, je sais, je suis sur PC, mais je vais le faire à la manette. Bah parce que déjà, je fais ce que je veux. Hein. Hey, coucou Pomos. Comment est-ce qu'il va, mon Jean Pomos? Le fils caché de Jean Pormanov. Et franchement, hier, tu m'as vendu du rêve. Mais comment tu rageais, Pomous? Mais comment tu rageais? Mais je sais que tu le fais pas pour la pub, Swat. Et c'est pour ça que je demande de le faire. Hein. Mets ta chaîne aussi, Tracker. C'est pour ça que je le mets. C'est parce que, bon, si c'est juste pour venir faire sa pub... En général, tu te manges un gros coup de pied dans le fion et tu dégages. Et là, je fais ce que je veux. Ah, Pomos, hier, il m'a vendu du rêve. Hein. Bon, évidemment, ne fumez pas, c'est pas bon pour la santé, etc. Blablabla, bla, bla, message de prévention, c'est pas bon. Merde, j'aurais peut-être dû aller dans les options, là, j'ai juste mis jouer. Attends. Moi, je vais comme un chez. Hein. Attends, hop, je Alt F4 et on recommence le truc. J'aurais dû d'abord aller voir dans les options. Profite de tes 4 abonnés car quand tu gagneras en abonnés, tu pourras plus lire le chat. Mais tu sais Sandrine,
je sais que je ne gagnerai pas beaucoup d'abonnés, j'en gagne un petit peu et ça me fait énormément plaisir, mais mon but c'est pas de percer sur YouTube, mon but c'est de partager une passion. C'est pas d'avoir 150 000 abonnés parce que ça devient très impersonnel et on peut, comme tu le dis, on peut pas parler avec le chat. Et moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est l'interaction. Sinon, je vois pas l'intérêt de faire un live. Hein. Si c'est pour ne pas répondre aux commentaires ou quoi que ce soit, même si parfois c'est pas facile parce qu'on est concentré dans le jeu. Mais c'est clair et je l'ai souvent dit. S'il y avait, les six n'aiment pas les rés. S'il y avait 100, 500, allez, 100, 200, 300 personnes sur le live, ben c'est évident que je pourrais pas répondre aux gens, que je pourrais pas prendre le temps de discuter avec vous, c'est évident. Donc je préfère que vous soyez 3, 4, 5, 10 à me faire un petit coucou, à discuter. Au moins je peux vraiment interagir avec vous. Et c'est ça qui est sympa, c'est ça l'intérêt du stream. Alors, qu'est-ce que ça dit ici, hein? La chaîne de SWAT, merci Tracker, mais mets ta chaîne également, Tracker. Fatigué, mais ça va, hein? Ok. Bah écoute, moi ça va aussi, Pomos, fatigué. Pour le moment, j'ai des journées assez spéciales. Ouais, tu vends du rêve quand tu rages, Pomos. Je suis certain, t'es le fils caché de Jean Pourmanoff, c'est obligé. C'est obligé, vu comment tu rages, c'est obligé. Hier, c'était mythologique, c'était même pas anthologique, c'est mythologique. Alors, réglage de base, non, on s'en fout, ça. Bon, comment on fait pour... Oh! Non, mais ça... Ah, putain, c'est chiant. Je veux juste régler mes graphismes. Lol. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, Black Sad est un jeu sorti en 2019 et qui est en partie français. Donc il est tiré d'une BD, mais les studios de production se partagent entre Valenciennes, si je ne dis pas de bêtises, et Madrid. Donc ce jeu est en partie français, ce qui est très très bien. Réglage de base. En 1080, qualité générale très élevée. Ce qui est normal, voilà. Hop, on va le mettre en ultra. Hein. Voilà, on va le mettre en ultra. Je pense pas que c'est un jeu qui bouffe énormément de ressources. Donc, je pense que c'est plutôt pas mal. J'arrive à la fin hier chez Pomos, il a parlé. Que quelqu'un lui avait envoyé un message et pouf, il s'arrêtait. Lol. Non, j'ai pas vu la fin, mais franchement, en cours de jeu, c'était énorme. C'était énorme. Le fils caché de Jean Pourmanoff de suite. Ah bah oui, bah si pour moi, si. Attends, c'est quoi les autres réglages là? C'est quoi Réglage du contraste. On va régler le contraste, alors je vais faire quoi? Le contraste jusqu'à ce que la silhouette sur la droite n'est plus visible. Là, elle est plus visible la silhouette, je la vois pas. Il y a une silhouette sur la droite? Attends, je dois aller par... Où elle est la silhouette sur la droite? Je la vois même pas. Ah. Ça va. Il y a une silhouette sur la droite. Je vais la mettre. Voilà. Un peu visible. Ok. Pas traction ni RPG, tu dois juste se concentrer. Oui, on verra, Sandrine. T'inquiète. J'ai fait pas mal de jeux Telltale. Je connais un petit peu le principe. Alors, oui, 16/9, ouais, ça c'est bon, sans bordure, ouais, non, ça c'est texture très élevée, ok. Profondeur de champ, s'en fout, qualité des ombres ultra, qualité d'éclairage, c'est bon. Élevé, je peux pas mettre plus haut, HDR, on s'en fout. Réglage audio, on s'en fout, et on va quand même le mettre, on va le laisser en français, ok, appliquer les modifications. Voilà, les modifications sont appliquées. Trouduc a marqué qu'il voulait. Ah là, t'as bien fait, Pomos. T'as vraiment bien fait. Hein. Là, t'as bien fait. Dans ma internet, ça rend les.
Ben, Internet, les jeux et tout, ça rend vraiment les jeux, les gens. Les gens ouf. Bon, du coup, on va quand même lancer cette session sur Black Sad. Donc en pleine découverte, hein, je l'ai juste lancé une fois pour voir ce qui se passait. Je vous laisse découvrir pour ceux qui ne connaissent pas. J'espère que le son du jeu est bon. Didacticiel, ce drame interactif utilise des contrôles similaires à ceux des autres jeux de ce type. Souhaitez-vous tout de même activer le didacticiel? Oui, parce que j'ai pas essayé le jeu, donc enfin, si je l'ai allumé 30 secondes, j'ai fait le premier truc. Il y a déjà un moment, donc je crois que j'ai joué 5 minutes. Non mais ça va, je sais pas si on voit sur le retour de live, si on voit l'ombre. Il rageait comme JP, car j'étais caché dans un corner. Et disait que je campais. Bah oui, tu campais, Pobos, lol. Et puis j'ai caché son chat. Non mais c'est vrai que sur des jeux comme ça, les Battle Royale et tout, des fois tu tombes sur des... Sur des phénomènes de foire, j'ai envie de dire. Vraiment des phénomènes de foire. Il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a vraiment pas d'autre mot. C'est pour ça que j'aime pas ce type de jeu en vrai. C'est même pas par rapport au gameplay et tout. Je sais que ça m'arrive souvent de cracher sur Fortnite ou Call of, par exemple. Mais c'est même pas par rapport au jeu ou par rapport au gameplay. C'est vraiment par rapport aux communautés qui sont hyper toxiques. C'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Ouais, tout à fait, soit. Il y en a qui ont été bercés trop près du mur. Tout à fait. Mais t'as bien fait pour Mousse. Maintenant, je comprends que c'est frustrant. Mais ah, tu sais, ce genre de débile, faut. À la limite, si t'es bienveillant avec eux et que tu leur réponds sans haine, ils prendront encore plus la rage et ils se casseront d'eux-mêmes. Hein. Putain, j'en reviens pas que c'est moi qui dis ça. Lol. Allez, on découvre. Ouais, aussi, soit, aussi. J'adore cette ambiance années 50. Saxophone. Parfois, quand j'entre dans mon bureau, j'ai l'impression de marcher dans les ruines d'une ancienne civilisation. Non à cause du désordre qui y règne, mais plus certainement parce que cela ressemble aux vestiges de l'être civilisé que je fus jadis. Est-ce que vous entendez bien les voix du jeu? Alors, didacticiel conversation. Lorsque vous discutez avec d'autres personnages, vous pouvez choisir vos questions et vos réponses. Dans certaines conversations, vous pourrez prendre votre temps pour choisir. Dans d'autres, vous devrez réfléchir rapidement et répondre avant que la limite de temps ne soit écoulée. Si vous le souhaitez, vous pourrez également choisir de garder le silence. Hop, il entend faiblement. On va augmenter un peu le son du jeu. Par contre, la musique au saxo, c'est une tuerie. Voilà. Hop, j'ai augmenté un peu le son du jeu. Vous allez pouvoir me dire les trucs. Donc, qui êtes-vous? Quelle photo? Tiens, on va faire le con, tiens. On va mettre OK. Quelle photo voulez-vous récupérer exactement? Tu le sais très bien. Moi et une jeune femme, il y a deux jours. Ah, ouais. C'était vous. Il me semblait bien que je vous avais déjà vu.
Je vais te buter! Alors. De temps à autre, vous devrez agir rapidement. Utilisez le stick gauche pour vous déplacer dans la direction de la flèche. Soyez vigilant, vous n'aurez parfois qu'un délai très court pour bouger avant qu'il ne soit trop tard. Ah ben non, et puis Pomous, quand t'insultes, c'est pas que t'insultes les gens, t'insultes le jeu en général, t'insultes le moment. Et coucou Martine, bienvenue à toi Martine, comment vas-tu? Alors par contre, le didacticiel, il commence vraiment à me casser les couilles. Hein. Alors, à certains moments du jeu, vous devrez appuyer rapidement sur le bouton indiqué afin d'effectuer des actions spécifiques. Vous devrez parfois continuer à appuyer sur le bouton jusqu'à ce que le cercle qui l'entoure soit complet. Ouais, non, je vais désactiver les conseils parce que là, ça commence vraiment à me casser les noix. Au fil du jeu, vous devrez prendre des décisions. Certaines auront des conséquences mineures, comme lorsque vous devrez choisir entre donner un coup de poing ou asséner un coup de tête. Mais attention, certaines décisions auront un impact majeur sur la suite de l'histoire. Parfois, vous pourrez prendre tout votre temps pour faire votre choix. Mais dans d'autres cas, vous n'aurez qu'un temps limité pour vous décider. Ah oui, c'est ça pour moi, c'est bon, c'est pour ça que je rigole, parce que c'est pas que t'es un rageux envers les gens, c'est juste que de temps en temps tu rages parce que ben voilà, le moment il s'y prête et que la situation elle est comme ça, c'est tout, c'est vraiment par rapport à une situation, c'est pas par rapport à une personne, donc c'est ça que ça me fait rire en fait. Et c'est un gros rageux qui te le dit, parce que je suis un gros rageux de merde. Ah, par contre, après, je vais désactiver ces trucs-là. Coup de tête ou coup de poing dans ta gueule. Mais cela m'avait permis de gagner. Nuque. Là où ça fait mal. Ah merde, c'est un entrejambe que je devais taper. Ah. Allez. Oh, les petites éclaboussures. Ah oui, il y a ragé, soit. Hein. Tu me connais depuis longtemps, tu sais bien que je suis un gros rageur. Hein. Tu m'as pété la mâchoire. La voilà sortie à votre mariage. Si tu montres ces photos à ma femme, je suis foutu. Tu risques de foutre ma vie en l'air, je t'en prie. Tiens, d'abord t'essayes de me tuer, ensuite bah, t'implores ma pitié. Le flingue n'a pas marché, alors pourquoi ne pas essayer les larmes? Mais est-ce que les voix sont mieux? J'ai même jamais tiré avec. Et puis, j'ai jamais été infidèle. Ouais, j'ai vu que le Logitech était pété, Phobos. Mais je vais bientôt faire un concours pour gagner un casque gaming, ne vous inquiétez pas. M'a fait du rentre dedans. De temps en temps, je fais une petite pub comme ça. J'ai même quitté mon boulot pour elle. Tu vas pas bousiller une famille à cause d'une minuscule bêtise. Alors, les informations les plus importantes que vous découvrez au cours de votre enquête sont enregistrées dans votre carnet de détective. Lorsqu'une nouvelle entrée est ajoutée, une notification s'affiche. Colbert, le mari infidèle. Je vais lui répondre quoi? C'est vous qui avez bousillé votre famille, pas moi? C'est mon boulot? Ça se fait pas, c'est tout. Ça se fait pas, c'est tout, assume. Ce serait un flagrant manque d'éthique. Lui cacher la vérité serait la priver de son libre arbitre, de son droit à faire un choix. Okay. Et salut alors, Xerox, bienvenue photos. À toi, comment tu vas? Tu racontes un joli mensonge et je te paye 10 fois ce qu'elle te propose. Tu sauves ma famille et tu empoches un joli pactole. Qu'est-ce t'en dis? Ça marche? D'aussi loin que je me souvienne, je n'avais jamais récolté que des clopinettes, des dettes et des ennuis. Mon amour propre et mon compte en banque faisaient la course pour voir qui allait toucher. Alors, je ne veux pas de rien, Salut, je suis youtubeur. Bien sûr que j'acceptais un financement NordVPN. Une chance de repartir sur de nouvelles bases. De diffuser des annonces dans les journaux, d'attirer de meilleurs clients. Ok. Je dirai à votre femme que vous êtes réglo. Pot de vin accepté. Maintenant, disparaissez.
Ah, t'inquiète, Pomos, je vais bientôt faire un petit concours pour gagner un petit casque. J'en parlerai plus tard. C'est bon, ici pour le moment, je suis en train de préparer la petite vidéo unboxing pour le petit concours que. Enfin, le petit concours, le concours que j'ai gagné. Putain, pour une fois que je gagne quelque chose. Phasmophobia! Ah, c'est super ça, Xerox. En plus, il y a une grosse mise à jour qui arrive. Moi, ça fait une semaine, 10 jours que je ne l'ai pas lancé, mais il y a une grosse, grosse. Le colopio, oui. C'est, ne fumez pas, c'est pas bon pour la santé. C'est très, très mauvais. Message de prévention, etc. Blablabla. Bouh, c'est pas bien. Tiens, et en plus, Xerox. Enfin, Xerox, pardon. Il y a des X. À ta santé. C'est ça l'avantage d'être un vieux con. Attends, je suis toujours en train de galérer sur le défi x24. Enfin, sur déjà le x15, là, enfin, non, le x10. x10, x15, c'est. Enfin, le. Voilà, c'est. Je pleure, je pleure. Mais ça va le faire. Putain, je vais reprendre le clavier, moi. Alors, donc, lorsque vous prenez une décision qui aura une influence majeure sur le cours des événements, une notification s'affiche. Voilà, wow, je suis un RIP. Ah ben, si tu veux, rejoins-moi sur un de mes réseaux sociaux, Xerox. Et comment? Si tu veux, on se fera une petite partie sur Phasmo. Hein, je pourrais peut-être t'expliquer les bases, en tout cas. Je ne ferai pas de toi un PGM parce que j'en suis pas un moi-même. Mais je pourrais t'expliquer 2-3 bases. En tout cas pour reconnaître certains fantômes. C'est avant que je ne change d'avis. 3. Dieu merci. Ton mon personnage est vénal. Fais bon usage de cet argent. Et 1. Tu ne regretteras pas d'avoir aidé Eugène Colbert. Je te le promets. Ça peut être intéressant. Mon invité imprévu m'avait laissé quelques cadeaux. En premier lieu, une main en compote. Ah ouais, ça c'est taper un rhino. La peau de ce type était dure comme de la pierre. Ensuite, bien plus d'argent que j'en méritais. Ajoutons à cela le sentiment que mon compas moral n'était pas aussi bien calibré que je le croyais. Et pour finir, j'avais la certitude que je n'en avais pas terminé avec les cadeaux. On dirait un vieux Batman. C'est un type très gentil. Ah, j'ai failli taper la dame. Et vous cote. Non. N'empêche, ce jeu est quand même. Est quand même sympa. En tout cas, dans. Je sais pas, l'ambiance, l'atmosphère me plaît. Ouais, mais écoute, fais-moi un message. Avec Ryu, ce serait grave marrant. Ouais, mais avec Ryu, je joue. Ouais, mais Ryu, il aime pas trop Phasmo. Ben ouais, ça serait marrant, évidemment. Bon, pour le moment, avec Ryu, je suis en train de refaire Far Cry 5 en insane. Ben, je le fais pas en live. Ben ouais, on se paye des barres, évidemment. Ouais, Phasmo, tu peux jouer à 4. Mais il est disponible que pour PC. Bon appétit à toi, Pomous. Mais même pas, et il vous offre déjà un siège. Oui, Jack a raison, c'est vrai. C'est moi tout craché. Je vous en prie, asseyez-vous. Jack, voilà, il voulait pas taper avec la chaise, il voulait juste la présenter à la dame. Je t'ai amené une cliente. Je kiffe ces musiques. John Blacksad, détective privé. Le tempo à la contrebasse, il me fait penser pour les plus vieux à Qui veut la poudre, Roger Rabbit, quand on rencontre Roger, non,
Si, Roger Vaillant. Robert Vaillant, non, je ne sais plus comment il s'appelle, mais Eddie Vaillant, voilà. Eddie Vaillant. Détective des Toons. J'adore cette ambiance. Mais non, chercher, continuer. Mais non, mais non, mais Taras. Non, mais non. Mais non, on s'en fout. Voilà. Claude Black Sad, ça passe bien aussi. Ouais, mais j'ai moins de cheveux. Putain, j'adore le son de la trompette. Ah mais c'est évident que la clope elle est dangereuse. Seulement à l'époque, Sandrine, dans les années 40, 50, 60, on te la vendait comme un médicament contre l'asthme. Et c'est pour ça qu'il faut le retrouver au plus vite. Sinon, nous allons avoir un sacré problème. Merci pour les informations et pour la photo. Tout ça me sera très utile. Merci pour tout ce qu'on ne sait pas. Alors, utiliser la croix pour naviguer entre les différents points d'intérêt. Choisir le point d'intérêt avec lequel vous souhaitez interagir. Ok. Ok. Alors, le point d'intérêt, il y a quoi comme point d'intérêt? Ben déjà, il y a... Mais non, mais moi, je veux bien changer de point d'intérêt, mais... Ah oui. Alors, on a un Rottweiler qui m'a l'air tout à fait sympathique, mais par contre, à côté, je pense que c'est un puma. Qui m'a l'air suspect. Votre père, Jordan, entraîneur de boxe et propriétaire d'un gymnase, s'est pendu il y a 2 jours. Oui. Ah merde, c'est lui qui est mort, lol. Désolé, madame. Pardon, c'est pas ma faute. Je savais pas. Changer de point d'intérêt, j'en ai qu'un, lol. Et là, on a Val. Yal. The Raging Dog. Le chien enragé. Bobby Yale, un boxeur du Dunn's Gym, doit participer à un match crucial contre le champion en titre dans 2 semaines. Mais il a disparu il y a 2 jours, pile le jour où votre père s'est donné la mort. Oui. Pour résumer, si Bobby Yale ne remontre pas le bout de sa truffe, vous devrez payer une lourde amende. Mais comme vous n'avez pas d'argent, vous seriez obligé de fermer le gymnase de votre père. Oui. Vous voudriez donc que je retrouve Bobby Yale? Oui. Non, c'est Jake qui veut que vous retrouviez Bobby. Et du coup, qu'est-ce que tu fous là, madame? Oh, je vois. Alors, déjà... Êtes-vous certaine que votre père s'est accepté mes condoléances? Acceptez mes condoléances. Je suis vraiment désolé, mademoiselle Dunn. Acceptez mes plus sincères condoléances. Merci. Mais bordel, John, tu la prends cette affaire ou pas? D'accord, mais ça sera pas donné. Ouais, mais nous parlerons argent quand ce sera réglé, bien parce sûr. Que je suis un gentleman. Je sais que vous ne qui accepte pas les pots de vin. Voilà ce que je vous propose. Si j'arrive à résoudre cette affaire, nous verrons ce que vous pourrez me donner. Je ne doute pas que nous arriverons à nous entendre sur un prix. J'ai l'impression d'être sur PlayStation quand je vois le chargement qui tourne sur le bas à droite. Et pourtant, je suis sur SSD, lol. Ah non, j'adore l'ambiance musicale. Il y a tellement de possibilités sur des sons pareils. Ah, l'iguane, il est stylé. Sandrine.
Et même les bagnoles, putain, dans les années 50, mais elles avaient du style, les bagnoles. Mais il faudra que j'aille faire un tour moi-même à un moment. Putain, quand je regarde les Tesla, elles sont dégueulasses. Les nouvelles Merco, elles sont dégueulasses. Et les bagnoles des années 50, elles avaient un... C'est ça. Putain de... Très bien. Je vais probablement... D'attirance, de style. Je vais évidemment aussi jeter un coup d'œil au gymnase. Bon. Je crois que ça devrait suffire pour commencer. Marie Purnell a trouvé le corps de Dune. Bon, bah on va chercher sûrement des trucs. Alors, utilisez le joystick gauche pour vous déplacer. Ce que je fais, je monte ou j'essence, je monte. C'est-à-dire pour déplacer la caméra. Ok, c'est bon le didacticiel, parce que là tu commences à me casser les noix. Des points d'intérêt. Ok. Ah, pour choisir le point d'intérêt. Wow. Ah, j'adore le son du saxophone. Et en plus c'est belge le saxophone. Ouais, c'était stylé. Il y avait une certaine classe, je trouve, Xerox. Oh, on devait bouger pour gagner notre pain. Ouais, aussi. Salut Mada, bienvenue à vous Mada et Kizumi. J'espère que vous allez bien. Je sais pas si t'as vu, j'ai invité Mad Jack sur ton Discord pour que vous puissiez discuter. Je sais pas si vous avez pris contact, enfin s'il a pris contact avec toi. Comment qui va mon cèdre ? Apprécie ce son. Et moi je kiffe hein, le jazz là. Changer de point d'intérêt, moi je veux bien. Mais... Ah ok, je peux dézoomer. Ok, ouais. Tiens, le sax. B pour quitter, ouais ok. Conseil désactivé, ah ça y est. Du coup je peux bouger. Mais non, mais ta gueule, hein, ouvrir le carnet. Alors, utiliser la manette. Ouais, ok. Alors, index, Eugène, Jacques. Ok, on a un gorille boxeur, on a une dame. Je sais pas quels animaux ce que c'est. Ah, ben c'est cool, Mada. C'est cool. Donc, pour ceux qui ne savent pas, si vous avez des connaissances qui sont gameuses, streameuses, de type féminin, chromosome XX, il y a une radio libre qui va être faite par Mad Jack, la chaîne Mad Jack. Il y aura plus que demander, ça devrait être sympa. Bah, avec Mad, en général, ça se passe super bien, Mada. Franchement, moi, c'est quelqu'un que j'apprécie personnellement, donc voilà. Donc que j'achève mon annonce. Si vous êtes donc une gameuse, streameuse, éventuellement, et que vous voulez parler un petit peu du milieu féminin, du milieu du gaming au féminin, là, n'hésitez pas à prendre contact avec la chaîne de Mad Jack. Donc s'il y a quelqu'un qui peut mettre le lien de la chaîne de Mad Jack, éventuellement... aller lui faire un commentaire et pourquoi pas participer à sa radio libre. Le jazz a été inventé par des esclaves au XVIIe siècle qui chantaient dans les champs tout en travaillant pour se motiver. Ça c'est la soul. Mais oui, à la base, oui, c'était des... Et c'était pas vraiment pour se motiver, Sandrine. Petite anecdote, la majorité des chants qu'ils chantaient en cultivant le coton étaient surtout des indications pour les esclaves qui souhaitaient fuir afin de savoir quel chemin emprunter. C'était une espèce de code. Parce que oui, je suis un petit peu culturé. Un tout petit peu. Alors, Bobival, c'était quoi? Ah ouais, lui, c'est le Rottweiler. Ah ouais, le gars, il fait peur. Hein. Alstone, c'est... Ok, on a un buffle.
Et on a... je sais pas, je pense que c'est une... Je pense que c'est une dame... une dame vache, laitière peut-être, je ne sais pas. Difficile à dire. Merci pour la chaîne de Matt Jack. Donc n'hésitez pas si vous voulez parler du gaming et que, enfin du milieu du gaming et que vous êtes une gameuse, n'hésitez pas à aller sur sa chaîne, à lui faire un petit commentaire dans une vidéo, peu importe laquelle, en lui disant un petit message du genre voilà, j'ai appris que tu faisais une radio libre par rapport aux femmes dans le milieu du gaming et je voudrais y participer et connaître les modalités. Ça pourrait être sympa. Bon, du coup, l'index, on s'en fout, on continue quand même. Le didacticiel, il est vraiment chiant. Déduction. Vous ne pouvez tirer aucune déduction pour l'instant. Bah oui, parce que je viens de commencer, je connais rien. Vous devez d'abord réunir suffisamment d'indices. En tout cas, merci les modérateurs pour les liens, c'est super gentil. Quelle efficacité de l'équipe de modération, c'est incroyable. Navigation. Mais je ne peux pas naviguer. J'ai... En Belgique, on dit j'ai un gros scraboucha sur l'écran, c'est dégueulasse. Donc on s'en fout. Le mec, il a pensé à rien. Appuyez pour accéder au menu. Ok. Pour fermer le menu, voilà, on continue à jouer, si possible. On peut continuer à jouer, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des points d'intérêt? Il n'y a même pas de points d'intérêt. Est-ce que je peux courir? Pourquoi je ne peux pas courir? Le mec s'est suicidé. Enfin, c'est... ôter la vie. Mais parce qu'il y a des mots, on peut pas dire. C'est interdit par YouTube. Donc le mec, c'est... je peux pas regarder en l'air. Donc c'est... a raccourci son existence dans la salle de sport. Du coup, je monte sur le toit, ce qui est tout à fait logique. Est-ce qu'il y a des choses à voir et c'est... Oui, c'est les années 50, Sandrine. La deuxième s'étant terminée en 1945. Nous sommes juste un peu après. Mais les Américains, ils s'en foutent, hein, parce que la guerre, ça les touche pas, eux. Eux, ils touchent la guerre partout dans le monde, sauf chez eux. Helen Moore's Secrets, le secret d'Helen Moore. Champise, le chocolat des champions. Ah non, l'énergie des champions. Lol. On s'en fout, c'est de la marde. C'est quoi ça? Mais non, mais je m'en fous, là, il y avait un truc. Ah, mais allez. Non, mais on s'en fout, on s'en fout. Voilà, le point d'intérêt là. Quelqu'un a vidé son verre. Il y a une rose. Deux sièges, deux verres, un vide. Quelqu'un est venu à un rendez-vous qui n'a pas été suivi. Je peux monter sur... Ah purée, j'ai trouvé les jambes d'une carte. Panthéon des sports. Parce que alors l'album machin bidule, on s'en fout. Coller la carte Y. Ah ouais, ok, donc le mec il est fan de hockey.
T'inquiète Sandrine, si tu regardes dans la description de la vidéo, il y a tout le système de gameplay qui est expliqué, ainsi que les studios qui ont produit le jeu. Ouais, c'est chill, moi ça me plaît, moi. Ah, j'ai pas encore trouvé d'emoji pour Pomos. Mais ça viendra. Évidemment. Non, pourquoi je peux grimper là? Je rappelle que je ne connais absolument pas le jeu. Je peux pas grimper. Non, je peux pas grimper. Donc j'ai absolument pas fait le jeu. Donc je le connais pas du tout. Bon, je vais quand même aller voir là où il est mort. Un blaireau, lol. Un enfoiré, tracker. Alors, le monsieur, il est décédé. Là. Il y a une corde. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à faire une chose pareille? La vie m'en a déjà fait voir de toutes les couleurs, mais... Je vais peut-être vaper un peu plus loin du micro, parce que... Je vois que, quand je vape, ça... Ça fait des bruits. Sa marque de fabrique. Oh, l'enfoiré. Je ne sais pas pourquoi, mais... Il y a quelque chose qui cloche. Tous les indices récoltés sont stockés dans l'esprit de Black Sad. Putain, le mec, il est vachement intelligent. Et ça, c'est génial. Après avoir découvert suffisamment d'indices, vous pourrez les combiner afin d'en tirer des déductions qui vous aideront à avancer dans votre enquête. On dirait Téléchat. Ah ouais, à part que il n'a pas le plâtre. Il n'a pas le plâtre, il n'y a pas d'autruche à côté, il n'y a pas de gluon. Mais ouais, non, c'est vrai que Téléchat, c'était une ambiance un peu sombre. Hein. En vrai, Téléchat, je kiffais quand j'étais gamin, mais c'était quand même vachement glauque. En vrai, c'était quand même assez glauque. Oh, attends, il y a un DCC, je l'ai, veut. Gagner, ce n'est pas tout. Le tout, c'est de vouloir gagner. Alors, gagner, ce n'est pas tout, ok. Mais vouloir gagner, c'est... C'est, voilà. C'est vouloir gagner, c'est... Donc pourquoi ils m'ont mis des phrases qui n'existaient pas, qui n'étaient pas marquées? C'est quoi ces traducteurs, là? Ces spoilateurs? Oh, attends. Il y a un truc là. Il m'est déjà arrivé de déchiqueter un sac comme ça. J'étais particulièrement... Non, pas cette référence, en plus, cette série a mal vieilli. Elle a très très mal vieilli, ça c'est vrai, ça. Mais je kiffe toujours Légumane. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous tapez Légumane. Le super-héros du frigo. Et c'est spécial. Je suis trop jeune pour connaître, malheureusement. Mais c'est toujours disponible. Ça existe toujours, Légumane. Téléchat. Alors, si vous voulez boxer, entraînez-vous. Si vous voulez gagner, entraînez-vous plus dur. Oups, une planche. Non, par contre, je vais faire une petite pause. J'arrive tout de suite.
Salut Louis, bienvenue à toi, comment tu vas Louis? Oups, désolé, j'ai tapé dans le micro, après j'ai chargé ma vapette. Il a enfin décidé d'être un gentleman. C'est vrai que les nuggets n'étaient pas faits à partir de poussins. Hein. Ah non, c'est juste du poulet. Et allez, c'est parti. On continue. Ah, salut à toi les tutos de Mendes. Bienvenue à toi. Et bah écoute, merci pour ton désabonnement. Hein. Et bah, surtout sur la façon dont tu te ridiculises, hein, poteau. Mais bon, je t'embrasse très 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 fort. Et tellement en manque de reconnaissance qui vient faire un commentaire pour dire « Je me désabonne !»« Oubliez-moi !»« Ouin ouin !»« Ouin ouin !»« Ouin ouin !» Lol. Bon, le mec, il a touché l'échafaudage. Ok, il est content. Ça, j'ai lu... Est-ce qu'on peut faire le tour de la salle? Louis Boyard, lol. Écoute, ça va, Louis, fatigué avec le taf, hein, mais sinon ça va. Ça va, ça va. Pas de cran, pas de laurier. Ça, c'est une leçon que vous pouvez tirer. No pain, no gain. C'est pas une phrase copyrightée WWE. C'est possible. Je vais quand même faire le tour de la salle avant d'aller dans le vestiaire. Hein. The harder you train. Ouh. S'entraîner, c'est gagner. Non, non, c'est pas ça qui fait marquer. Il fait pas marquer du tout. S'entraîner, c'est gagner. La difficulté de votre entraînement, enfin la dureté que vous vous entraînez, la chance que vous créez. Oui, parce que je parle anglais, very well. Ouh, Carlos, Luis, Martin. On va aller voir au Panthéon des Sports la carte de Carlos Luis Martin. Et on colle la carte. Ah merde, j'ai pas collé l'autre. Pourquoi j'ai pas collé l'autre? Lol. Oh le con. Ah tiens, je l'ai pas mis celle-là. Tiens, je vais l'épingler. Donc pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait une petite vidéo sur le refroidisseur liquide tout en un en 240 mm de Corsair H100i Elite Capelix. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez pas à y jeter un œil. C'est pas aussi complet que certains professionnels, mais bon, c'est fait à la façon amateur. Ça va, j'ai entendu que Claude... Attends, que Claude fasse sa nouvelle vidéo. Mais oui, mais c'est pas tout le temps, Sandrine, parce que, comme je l'ai dit, avec le boulot et tout, c'est pas toujours évident. Weekly, personne. Personne. J'appelle personne pour l'instant, ça ne sert à rien. Il faut que je trouve des indices. Là, il y a une porte. Cette porte est un indice. Mais je vais d'abord aller dans le vestiaire. Je kiffe l'ambiance sonore, c'est abusé. Là vraiment je kiffe. Ah. Je vais aller faire caca. Attends. Quoi? Une traînée, c'est trop le pied? Non, non, c'est pas ça qui faisait marquer. C'est pas ça qui faisait marquer. Il faisait marquer quoi? Allez, sérieux, réouvre la porte, hein. Allez, Black. Mais non, mais il veut pas. Mais pourquoi?
Bah pourquoi? Il y a sûrement des indices. No dunk. No glory. Ok. Merci Louis. Ah oh, tu sais le pouce, tu le mets pas, tu le mets en haut, tu le mets en bas, tu le mets en vert, en jaune, en orange, en fluo, on s'en fout, ça fait quand même plaisir. Ah, je kiffe cette musique. Attends, 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 il fait quoi marqué là? Il y a un truc marqué là. Ça par contre je vais pas le lire. Je vais juste essayer d'ouvrir le casier. Allez, t'es un chat. Enfin, une panthère, un chat. Je peux pas ouvrir. Pourquoi je peux pas? Mais un bon détective ne sort jamais de chez lui sans son... Sanson. Ah, ben merde. Il l'a oublié. Parfois, il arrive même au plus professionnel des détectives de devoir rentrer chez lui. Pour on va au bureau récupérer le rossignol. C'est le truc qui te permet de crocheter la serrure. Putain, mais quelles sont classes les bagnoles des années 50, bordel! C'est écrit de... plus dur que tu... Ouais, je le traduis pas non plus. Donc ça va bien avec la musique de jazz et rire. Ouais, la musique de jazz, franchement, je la kiffe. Je la kiffe, je la kiffe. Ah, ça c'est mon réveil du matin, ça. J'espérais que ce n'était pas un client. Même s'il était plus probable qu'il s'agisse d'un faux numéro. Ou pire, du groupe de thérapie des vétérans de la guerre. Ou pire, le groupe de thérapie des vétérans de la guerre. J'étais sûr d'avoir laissé mon signal sur la table. Est-ce que je peux aller fouiller ce putain? Le vestiaire, ou ce qu'il est, le... Putain, mais c'est le bordel chez toi, mec. Là, il y a un cadre, c'est pas de rossignol. Que faire lorsque la seule chose qui... Bonjour, madame. ...est également celle qui vous empêche d'aller de l'avant. Voilà, franchement, je kiffe la musique, hein. Oubliez ce souvenir, je veux savoir qui c'est. Elle ne pourrait pas les entendre, de toute façon. Ah merde, je ne suis pas prêt à oublier Natalia, que je ne connais pas. Un lion donc bien pu faire pour mériter l'admiration d'une culture millénaire, cher cousin éloigné. J'ai pas vu que c'était un chat, c'est drôle. Ah oui, c'est une... Bah écoute, honnêtement, pour moi, c'est une panthère, mais bon, on va dire que c'est un chat. Donc c'est tiré d'une bande dessinée, et le jeu est en partie français. Soyez-en fiers. Oh, attends, il y a un truc à boire, là, non? Je bois comme tous les détectives. Je fais semblant. Non, je bois comme. Non, je fais pas semblant. Ne carbure pas au thé. Faut pas déconner. Cette bouteille n'est pas là pour ça. Si. Cette tequila, je m'en sers pour nettoyer mon rossignol. En fait, je venais tout juste de finir de le nettoyer lorsque ce rhino s'est pointé. Mais du coup, il est où ton rossignol? Pourquoi c'est flou? Ce bon vieux Weekly a fait du bon boulot avec ses photos. Je devrais peut-être lui passer un coup de fil. Il sera ravi d'apprendre combien notre sujet a consenti à nous payer. Merci en qui échange de notre silence. Un air de Batman. Du coup, ça serait Catman. Ah, ça sonne moins bien. Je me demande si ce rhino en serait vraiment arrivé à s'en servir. Et si ça se trouve, c'est un faux. Enfin non, dans les années 50... Ils portaient leur boule. Oh, attendez, il y a un téléphone. Je vais téléphoner. Non, je téléphone à personne. Avant, les anciennes voitures avaient beaucoup plus de forme. Mais elles avaient surtout beaucoup plus de style. Elles avaient une âme. C'est en tant qu'ancien garagiste réparateur. Parce que j'ai quand même travaillé 7 ans dans l'automobile.
les anciens véhicules avaient une âme. C'est même pas qu'elles avaient des formes, elles avaient du style ou quoi, c'est vraiment qu'elles avaient une âme. Chose qui s'est perdue aujourd'hui, malheureusement. Pourquoi je... La machine à écrire. Parfois, je m'en sers aussi pour taper des rapports que personne ne lit et des factures. Si vous en avez une comme ça chez vous... Tout à fait, Cèdre, tout à fait, on voit le connaisseur. Bon, je cherche mon rossignol. Il est où, mon rossignol? Attends, il est tombé là-haut. Là, en dessous, là, en dessous, là, en dessous. Il est là-dessous, mon rossignol. Rossignol, rossignol de mes amours. C'est Tino Rossi. C'est le bon ton. Et salut, Sand, bienvenue à toi. Il y a Cédric qui dit plein de bêtises, Sand, hein. Il parle de Jackie et Michel, je les connais pas personnellement, mais ça m'a l'air pas net, hein, c'est louche, hein, tout ça. Tu devrais enquêter. Lol. On sent la pointe de perversion narcissique du mal dominant. Là, je suis en train de combler un peu parce que je suis en train de faire quelque chose de pas bien. Ouh, pas bien. Et juste au moment où madame arrive, qui me regarde avec suspicion. Et salut Neptune, bienvenue à toi, comment tu vas Neptune? Je sais qu'il dit que des bêtises, lol, c'est des potes MDR. Ah, vantard Cèdre, vantard. Je kiffe cette musique. C'est chill à mort. Ah, par contre, est-ce que je me sers un whisky? Évidemment. Ça sent bon. Mais ça sentait encore meilleur le jour où Smirnoff l'a acheté. En échange d'un service. Smirnoff, lol. Un service pour lequel aucun flic ne devrait jamais être. Le jour où Smirnoff l'a acheté. Eh, tout à fait, Neptune! Rossignol de mes amours! Le commissaire Smirnoff a fumé cette cigarette. C'est comme si Johnny l'avait touché. À en juger par la manière dont il l'a écrasé, il devait être assez nerveux. Ah ouais, le mec, c'est un mentaliste, hein. La manière dont il a fait pipi. Ouh, ça c'est quoi, c'est le Vietnam, c'est la deuxième. Oui, ça c'est la seconde. À l'époque, j'étais un jeune puceau. J'ai pris un avion. J'ai été rien faire. Et on a gagné, c'était beau. Je sais absolument pas ce que... Mais pourquoi le téléphone il sonne? Et on dirait vraiment le... Mon chef de maintenance, c'est quand t'as les deux mains occupées que ton téléphone il sonne pour te demander... Les détectives se sentent rassurés avec un flingue dans la poche. Moi je préfère les rossignols. Au moins je sais qu'ils ne risquent pas de se retourner contre moi. Ouais, le téléphone il sonne, j'arrive. Ouais, mais je peux pas courir, ta gueule! Oui, avant, il n'y avait pas de touche pour appuyer dessus. C'était un rond qu'on tournait, le téléphone. Je croyais que tu bossais sur l'affaire. Je fais mon boulot. Pourquoi ça marche pas? Oh! T'amuses pas à m'ignorer, John. Sérieux, j'ai appuyé sur la touche, ça marchait pas. C'est très mauvaise impression. C'est quoi ce bug de merde? Tu tiens à ce boulot? Alors conduis-toi correctement, bordel. Ok, il a décroché pour rien dire en fait. Il se passe quoi là? Oh! Oh là, ça bug. Le jeu il bug déjà? Non! Mais non! Mais je viens de commencer, il est déjà en train de bugger comme une merde. Mais
Mais je veux pas appeler. Et non, le jeu est en train de bugger, je vous promets. Voilà, regardez. Ah, je suis en train d'appuyer. Bon, on va refaire un relançage. Je sens que ce jeu va me péter les noix. Ben oui, B, mais ça marche pas. Ça marche pas. N'oublie pas, Sandrine, il y a 30 secondes de décalage entre ce que vous voyez et ce que je lis. Parce que je vois vos messages en instant, mais... Bonne soirée à toi, Louis. Bon appétit. Et ben, écoute, peut-être à tout à l'heure. Là, je relance. J'espère qu'il y a eu une sauvegarde. Parce que sinon, je sens que cette playlist va être beaucoup plus courte que je pensais. C'est con, parce que j'adore vraiment l'ambiance du truc. Mais là, ce bug, c'est... Non, on commence un jeu et ça fait quoi? Ça fait une heure. S'il bug toutes les heures, ça va pas le faire. J'espère qu'il y a une sauvegarde. Continuez, évidemment. Merci beaucoup, Louis. Ah, ça va, je suis dans mon bureau. Hop, juste un instant, je regarde vite. Parce que j'ai reçu un mail du taf. Non, ça va, c'est pas... C'est pas ouf. Mais non, restez. Hop, attends, je dois bouger le... Mais non, j'ai... Attends, est-ce qu'il est déjà bougé le canapé? C'est si je dois souvent faire... Ouais, le canapé, il a bougé. Ah, c'est bon, je me casse. Avec le recul, je préférerais n'avoir jamais retrouvé mon rossignol. Cela m'aurait peut-être évité de retourner au gymnase. Ce qui m'attendait n'était rien moins qu'un véritable enfer. Et on sait pas ce qui se passe, mais on va être dans la merde. J'aime bien la voix qu'ils ont donnée au personnage. L'appartement de Bobby Yale était sur le chemin. J'ai donc décidé d'aller y faire un tour, rossignol en main. Le gymnase pouvait attendre. Mais pourquoi le gymnase peut attendre? Moi, je veux savoir ce qu'il y a dans le casier. Allez, sérieux. S'il y a un truc intéressant, il pourrait être pillé. Redeadpool. Sonia et Jack avaient déjà fouillé partout, sans succès. Ok. Oh! Ça me rappelle un peu le... merde. Mais un détective digne de ce... Comment ça s'appelle encore? Dying Light. Oula, je vais me faire niquer par un bison. J'ai rien pu faire. Je vais t'avoir. Quand vous tombe dessus comme ça, vous pouvez en déduire que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Il est toujours bon de savoir ce que vous faites. Allez, allez. Non, je t'aurai. Un chat, c'est plus fort qu'un bison. Comment il est sérieux, lui. Eh, je vais diffuser les photos, mec. Hein. Quand même. Mais tu m'as aidé, alors je vais t'aider à mon tour. Maintenant, pars, avant que mon partenaire... Ah ben merde. Foutu chat. Bien joué, Colbert. Ouh, c'est chaud. Alors. Deux contre un. Ah non, là, c'est bison voilà ce bourré. À chaque mauvaise réponse, je te colle un coup de matraque. Ça marche ?
Vous savez pas vous en servir. Mais nous venons d'avoir la preuve que tu ne sais pas viser. Mauvaise réponse. Ah merde. Faut pas le chercher. Première question... non. Deuxième question. Qu'est-ce que tu fous là? Vous étiez pas censé me frapper. T'étais pas censé me frapper? J'attends encore les coups. Ok. Ah, là, on va faire le bonhomme. Hein. Obligé, je suis un détective privé. Allez, on recommence. Qu'est-ce que tu fous là? Je suis heureux de pouvoir t'aider à te perfectionner avec une matraque. T'as clairement besoin d'entraînement. Ouais, j'adore me perfectionner. Ah ouais, non, mais direct dans le visage. Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu fous là? Ok. Je peux zoomer. Un trèfle. Serait-il irlandais? Ah, attends, je peux... Comment ça marche? Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu fous là? T'as des origines irlandaises? J'ai un patron irlandais, tout comme mon pote Colbert ici présent. Salut Thierry, bienvenue à toi, comment tu vas Thierry? Doit forcément te dire quelque chose, non? Desmond O'Leary. Un renard. New York a forcément un renard. Le plus riche bookmaker de toute la ville. J'avais enfin l'impression de progresser dans cette affaire. Mauvaise réponse. Non, mais j'ai eu tort. Mais pourquoi il me tape? J'ai rien dit. Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu fous là? Je connais Colbert et sa femme. Je connais ton pote Colbert. Et sa femme. Voilà qu'il cherche à t'insulter. Eh ben d'accord. Il est à toi. Très bien. À ton tour de jouer. J'appelle le boss. Ah, oh, cette feinte-là, elle était sympa, donc il fallait que je la sorte. Gueule suite à ce qui s'est passé. Coller une bonne rouste, ok. Desmond, on a mis la main sur un détective privé qui était venu fouiner du côté de chez Bobby Yell. C'est ça, engagé par la fille de Dan. Tu le veux, en un seul morceau. Ah, c'est cool ça, Thierry. Ouais. Ah, j'ai vu que t'avais mis une photo Colbert, où tu lui faisais un bisou. Arrête de le cogner, grosse brute. Quel dommage. On commençait à peine à faire connaissance. Oh, j'aime bien son style. Comment il fait le bonhomme. Même plus mal. Hein. Alors là, je dois aller dans le vestiaire, ouvrir le truc. Oh, t'es qui toi? Merci, mon pote. Alors, tu frappes mou. Qu'est-ce hein. que tu peux me raconter d'autre à propos de la mort de Dan? Ah, oh, pas grand-chose. Ma mémoire, c'est plus ce que c'était. Tu ferais mieux d'aller parler à la femme de ménage. C'est elle qui a trouvé. Ah, je sais pas, j'ai juste vu la photo, Thierry. C'est juste un peu plus bas dans la rue. Bon, tu peux pas le louper. Reprends ton entraînement, Jodun. Jodun! Il était comment, ce Jodun? C'était un type bien. T'as vu tous ces slogans sur les murs? Les phrases de motivation? Joe y croyait vraiment. De la première à la dernière. Ouais, j'ai vu des phrases aussi dans les toilettes. Elles sont dégueulasses. Le joueur de saxophone? Il jouait du saxo, c'est ça? Ouais, et plutôt bien. Ah, bah c'est super, il ça, Thierry. Après la mort de sa femme.
Ah, c'est le principal, hein. Tu sais, quand on est quelqu'un de bien, automatiquement ça passe auprès des gens bien. Donc c'est cool, je suis très très content pour toi, Thierry. J'ai trouvé une bouteille de vin vide sur le toit. Est-ce que Jordan buvait beaucoup ? Il y a eu une période après la mort de sa femme, mais il a fini par arrêter. Après ça, je ne l'ai plus vu boire qu'en des occasions spéciales. Donc le verre qui est plein, c'est le sien. Sonia. Parle-moi de Sonia. Que peux-tu me dire à propos de Sonia Dunn ? Sacré pépé, hein ? Vous allez vous entendre. Elle ne m'a pas l'air vraiment bouleversée. La mort de son père n'a pas l'air de la peiner outre mesure. Ah, elle aime bien se donner des airs froids et inaccessibles. Mais ça la rend encore plus attirante. Et tout ça pour dire que c'est une pétesse. Hop, attendez. Je viens de voir un truc. Excusez-moi, j'ai une notif. Alors, je sais pas si c'est le vrai. Mais si c'est le cas... Putain, c'est le vrai! Alors là, franchement, je suis sur le cul. Didi Chanduidi. Chanduidi, pardon. Donc Dylan Chanduino. Vient de me laisser un commentaire suite à, sur la vidéo que j'ai fait par rapport à ce qui se passe. Et il me dit ceci. Là, je suis sur le cul parce que c'est une grosse chaîne. Donc merci beaucoup Monsieur Chanduino. Donc hello, je découvre ta chaîne, merci pour tes compliments au sujet de mon contenu, ça fait super plaisir. Si tu veux le fin mot de l'histoire, YouTube a réanalysé ma vidéo et m'a bien certifié que celle-ci était conforme à leur politique. Cependant, elle ne convient pas aux annonceurs et de ce fait, elle demeure en dollar jaune avec l'avertissement qui contient des sujets liés à l'automutilisation et au... à l'auto-interruption de vie. Voilà. On va dire ça. Parce qu'on peut pas dire le mot, hein, c'est interdit. C'est interdit. Donc du n'importe quoi. Et ça, c'est vrai, c'est du n'importe quoi. Puisque cette vidéo n'aborde l'interruption de fin de vie que pendant le temps d'une seule phrase sur 23 minutes, le temps de parler d'une légende urbaine qui en plus n'a aucun réel fondement. Quelle folie, la bise à toi, bon courage pour la suite. Waouh. Merci à toi, Didi Chanduidui, Monsieur Chanduinou, merci à vous. C'est la première fois qu'un vrai YouTuber me laisse un petit commentaire comme ça. Et je vous avoue que ça me touche énormément, franchement. Donc son commentaire est visible sur la vidéo que j'ai titré Dylan Chanduino alias Didi Chanduidui passe en dollar jaune. Donc n'hésitez pas à aller vérifier que je dis pas de la merde. En tout cas, ça fait waouh. J'ai rien d'autre à dire. En tout cas, la bise à vous. Je suis sur le cul. Vraiment. Ça fait plaise. Ça fait vraiment plaise. Bon, on revient sur le jeu. Hop, désolé, j'ai tapé dans le micro, c'est l'émotion. Quel effet tu me fais, Didi ? Donc il me dit quoi ? Vous avez l'air de vous entendre ? Oui. Vous avez l'air de le chat et le gorille, hein, pas moi et Monsieur Chanduino, nous ne connaissons bien pas. Depuis. Si tu vois ce que je veux dire. Je suis pas très politiquement correct. Vous l'avez pas revu depuis son départ à l'université. Ça. Ouais, franchement c'est cool, Cèdre, ça fait plaise. Franchement ça fait plaise, vraiment, mais vraiment. C'est ça que je me suis interrompu pour lire le commentaire. Franchement, ça surprend surtout. Bob Yale, les problèmes raciaux, reprends ton entraînement. Non, on va parler d'abord de Bob Yale. Tu as une idée d'où Bob Yale pourrait se trouver ? Et ensuite des problèmes raciaux, c'est important. Appartement, passé, retour, famille, on va parler de la famille. Tu connais un peu ses proches ? Son père, Avenarius. Merci beaucoup, Avenarius. Neptune. Le poète boxeur ?
Bon, ça changera rien à ma vie, mais c'est, franchement, c'est, ouais. c'est, ça femme, me touche. La mère de ça Bobby me touche. Est morte peu de temps après. Ouais, la famille va super bien, Thierry. La famille va super bien. C'est super gentil de demander. Merci Sand, merci Martine. Ah, c'est surtout merci à lui. Et si vous ne connaissez pas sa chaîne, n'hésitez pas à la découvrir parce qu'elle est vraiment cool. Moi, je kiffe les 5 théories. C'est pas du léchage de fion, hein. C'est vraiment que je kiffe les 5 théories, hein. Surtout celle sur Zelda. Que j'ai pas dit dans la vidéo, mais celles sur Zelda sont... Pour un geek, c'est la cerise sur le gâteau. Alors, appartement, carrière, appartement. J'ai été faire un tour à l'appartement de Bobby Yale. Ben non, t'as pas été. Il est en contact avec O'Leary, le bookmaker. Ah ouais. Ah ben si, si, on s'est fait défoncer par le bison. Période, c'est sûr, mais et coucou les Rangers du Geek, bienvenue à toi. Mais à ta place, je suis pas passé malheureusement sur ton stream hier parce que c'était tard, 23h pour moi, étant donné que je me lève très tôt parce que je travaille. Mais j'avais quand même eu quelques pressentiments sympas que j'avais d'ailleurs partagé avec avec Big Pipe Man. Oui, je cite son nom, c'est juste pour faire chier les copains. C'est sarcastique. Hein. Et j'avais dit du Zelda, du Metroid et de la Game Boy en émulation. Et ils nous sortent de la Game Boy en émulation et de la Game Boy Advance. Ce qui est sympa, ce qui est cool. Il y a de très bons jeux sur Game Boy et sur Game Boy Advance. Je les ai pas encore essayés, je sais pas si c'est déjà sorti, quand ça va sortir ou quoi, mais bon, j'ai survolé le Schmilblick. En tout cas, j'espère que vous allez bien, les Rangers. Et bon anniversaire à ton fils. Parce que j'ai vu passer aussi qu'il avait son anniversaire, donc très très bon anniversaire à lui. Y a pas de souci, Thierry. Alors, on va parler quand même de la carrière du mec. Et le champion en titre, ça doit être plus qu'une star montante. Il a pas perdu un seul combat depuis qu'il est passé pro. Ce petit enfoiré m'a collé la pâtée il y a quelques années de ça. Tu m'as dit que Yale avait rejoint une bande à une époque. Tu te souviens de laquelle ? Attends, j'ai raté un truc. Bonne fin de soirée tout le monde. Bonne fin de soirée à toi Neptune. Écoute, passe une bonne soirée, passe une bonne nuit. Merci à toi pour ta présence, pour ton soutien. Prends soin de toi surtout. Et à très bientôt, Neptune. Et encore merci. Oui, voilà, les problèmes ratios. Ben n'était pas noir, mais il vous laissait vous entraîner ici, toi et Bobby Yale. Ouais, ça a dû être le premier gymnase intégré. Mais pourquoi il parle de couleurs? C'est des animaux. Je crois. Lol. Ok. Bon bah reprends ton entraînement. Je vais continuer à t'entraîner. Ok. 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 Attends, par contre, je ne dirai pas ce qui fait marquer parce que je trouve ça vachement choquant. C'est un avis personnel. Byron, on va prendre le premier truc. Le casier de Yale est plein de surprises. Votre gymnase portatif personnel. Ouais, c'est des ressorts de résistance. Ça, c'est sympa, ça. Quand j'étais plus jeune, j'en ai fait. Oui, parce que j'ai été jeune un jour. Et j'avais des cheveux. Il n'y a que deux ressorts. Il n'y a que deux élastiques. C'est même pas des ressorts, c'est des élastiques. C'est, les vrais, c'est des ressorts. Hein. C'est quand tu fais des étirements, il faut éviter d'avoir des poils sur le torse, d'ailleurs, avec les ressorts, parce que ça pique. Pourquoi je peux pas ouvrir? Trou et autres poèmes. Agram Greenberg. Ok. Ok. Est-ce que...
dans sa tête, il a déjà un cheminement. Ok. Hop, ça c'est Peggy 18. J'ai pas assez d'indices. Je n'ai point assez d'indices. Je suis obligé de lire le truc. Pour le développement de l'histoire, je suis obligé de le lire, c'est chiant. Je suis désolé. Le cerveau des racistes je déborde tellement de traduirai pas plus assez de place pour des points de détail comme le bon sens. Je ne le lirai pas ou l'orthographe parce que nous je trouve ça extrêmement cas où choquant. Plus cultivé que la moyenne, a cherché à corriger son erreur avec un succès très relatif. Même si ça s'inscrit dans la trame, personnellement, je peux pas le lire. Parce que ça me touche personnellement. Ouh, une clé en trèfle. Qu'est-ce que tu fous ? Hey, Jack ! Pourquoi t'as une photo de son ex ? De pas te défoncer le crâne. Moi, c'est ça qui m'a choqué. Pourquoi il a une photo de son ex ? Tu fais partie des suspects. Je crois que tu caches quelque chose, Jack. Je croyais qu'on était amis, John. On n'est pas amis. Lâche-moi. Pas d'amis. On va le faire fou, John. Ah mais Metroid c'est toujours c'est Metroid c'est une référence des Rangers. Et il va encore venir me taper. Je sens qu'il va encore venir me taper. Bon, on oublie la clé. Mais ça c'est pour mon garde du corps préféré, mais c'est son ex. J'avais oublié que Jake avait bossé pour Natalia. Voilà qui prouve que j'avais raison. Il est encore trop tôt pour aller de l'avant. Pas de soucis, Martine. Je te souhaite une très très bonne soirée, une très bonne nuit. Prends soin de toi, Martine, et à très très bientôt. Je vais relire la clé. Ah oui, c'est... Bon, il n'y a rien d'autre. Non, il n'y a rien d'autre. Ils permettent une nouvelle déduction. Mais déduction non. Jack s'est mis en colère de ce que j'ai découvert que j'avais fouillé. Ok. Et du coup on va essayer de relier des indices. Qu'est-ce que tu fais avec cette broche, Jake ? Dans quelle merde es-tu allé te foutre ? Donc le but, c'est vraiment de relier des indices. Ok ? Non, mais là, je veux relier encore d'autres indices qui servent à rien. Ok ? Ces indices-là, je peux pas les relier. Au revoir Sandrine, passe une très bonne soirée également, une très bonne nuit. Merci beaucoup pour ton soutien, ta présence. Prends soin de toi et à très très bientôt Sandrine. Encore un grand merci à toi. Je peux pas trop relier d'indices pour le moment. C'est un peu chiant. Ouh, du sang et une batte de baseball. Tiens, je kiffe ce style de musique, c'est fou. Ça sent... Le sang. La peinture. La peinture ? Serviette tachée dans le casier d'Arthur Tucker. Intégration. Ok.
Donc là, on a que des albinos, hein. C'est quand même chaud d'un point de vue polémique ce jeu. Observateur aurait prétendu avoir oublié la mâchoire d'un officier, ok. Quelle bande de salopards. C'est des bons à rien. Non, j'ai pas encore regardé Rangers, mais j'ai eu la notif. J'ai eu la notif. La fierté du Sud. Bon, en Amérique, c'est tout à fait normal. La liberté d'expression dépasse la morale. Alors que la liberté d'expression, c'est tout simple. Elle s'arrête tout simplement, la liberté, là où commence celle des autres. Simplement. Évidemment. Ok, un casier vide. Pour en revenir au truc, pendant que je suis occupé avec mes deux mains, Rangers, j'ai eu un notif, j'ai pas eu le temps de regarder. Parce que j'ai dû faire face à un petit frustré de la vie. Que je ne nommerai pas, parce que ça lui ferait de la pub. Hein. Par contre, c'est vrai que j'ai oublié de le remercier de... Que lui m'ait affiché, merci à toi. Pour la pub, c'est très gentil de ta part. Sincèrement, du fond du cœur. Les jeux Game Boy et Game Boy Advance. Bien direct à l'époque. Ah, c'est si bien fait que ça sur l'émulateur Switch Rangers. Ne fumez pas, c'est pas bon, hein. C'est même très très mauvais. Putain, ce jeu, je vais y jouer juste pour la musique, en fait. C'est très con ce que je dis, mais il y a moyen d'associer un truc ou deux. Alors, le casier est plein de surprises. Il y a quelque chose avec une serviette, graffiti, vu que ça sent la peinture. Arthur Tucker a peint le graffiti raciste sur le casier de Yale. C'est qui Arthur Tucker? Putain, parce que je sais plus c'est qui Arthur Tucker. Arthur Tucker, est-ce que je l'ai? J'ai même pas... J'ai Al Stone, j'ai Pierre-Paul Jacques, mais... Ok, Jake. Je t'ai dit! Desmond O'Leary, hein? Je sais que tu bosses pour lui. Et d'où tu sors ça? Pourquoi tu dis ça? J'ai vu le trèfle dans ton casier. Je sais ce qu'il signifie. Ok. Mettons que ce soit vrai. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Hein? Bonne soirée, mon cèdre! Prends soin de toi surtout, mon ami! Il faut vraiment oh putain, que merde, j'ai raté la QTE. Okay. Lol! Bah, c'est pas grave. Les affaires te souhaiter la bonne soirée, c'est plus important. Natalia, prends soin de toi, mon cèdre. Merci beaucoup pour ton soutien depuis autant d'années. S'est pointé pour me proposer un contrat de garde du corps. Et à très très bientôt. Dire non, je comprends, je comprends. Oui, je comprends. Ah bon? Je sais pas ce qu'il a dit, mais je comprends. Du genre à accepter des offres douteuses. Je suis comme un politique. Je t'entends, mais je ne t'écoute pas.
Moi aussi, j'ai trempé dans des trucs louches. J'aurais jamais accepté cette offre. J'ai moi aussi trempé des trucs pas nets. Hein. Voire pire. Mais j'en suis pas fier. Au début du jeu, j'accepte quand même un pot de vin. Opération de pari illégaux. Mais c'est qui m'a sauvé la peau? Des gens ou qui laisse croquer des veuves. Et je suis qu'un garde du corps. Je suis là pour m'assurer que personne soit blessé. Tout ce que je fais, du contrat au chèque de paye, c'est 100% légal. En quoi ça pourrait poser problème? Ouais, tu restes. Attendez, je mets sur pause. La chaîne a passé la barre des 700 il n'y a pas longtemps et je voulais arrêter. J'ai bien fait de pas le faire. Eh, tu sais, Ranger, je vais parler de mon cas personnel. Le nombre d'abonnés, honnêtement, tu t'en fous. T'as un travail, t'as une famille. Prends YouTube comme un hobby. Tout simplement, le fait de pouvoir partager. Et ça aide beaucoup. Le fait qu'on ne gagne pas beaucoup en abonnés, on monte lentement, on a du mal à faire son trou, ça fait partie du jeu. Il faut bien se dire qu'on est des centaines de millions, parce qu'il y a des centaines de millions de chaînes sur YouTube. Et progresser vite, est-ce que c'est vraiment progresser bien? Cette question-là, elle est importante. Moi, je pense que le but premier d'un réseau comme YouTube, c'est surtout le partage. Que tu sois suivi par beaucoup de gens ou par peu de gens, ce qui compte, c'est la qualité des gens qui te suivent, qui interagissent avec toi. Le reste, ben, tu t'en bats les couilles. Que ça marche ou pas, que tu progresses ou pas, peu importe. La question, c'est est-ce que tu te fais plaisir? Si la réponse est oui, ben continue. Tout simplement, ton contenu est propre. Continue. Tu fais ce que tu aimes. C'est le principal. Le reste, c'est de la merde. C'est de la merde. Si ça marche, tant mieux. C'est un bonus, un plus. Mais il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Le principal, c'est d'aimer ce que tu fais et d'aimer ce que tu partages. Et d'avoir la passion de ce que tu partages. Tout simplement. En tout cas, c'est mon point de vue. Ça vaut ce que ça vaut. Ben moi, je pense comme ça. Le fait que son affaire soit illégale ne fait pas de toi un criminel. Nous ne sommes responsables que de nos propres actions. Mais là n'est pas le souci. Il est impliqué. Je crois que tu as joué un rôle dans la mort de Dune, non? Je sais que tu penses plutôt que c'est ça. Joué O'Leary dans la mort de Jobin. Hein? O'Leary? N'importe quoi. Enfin, je crois pas. Jake, s'il te plaît. Bon, j'imagine que ça sert plus à rien d'essayer de le cacher. J'étais là le jour de la mort de Dune. Continue. J'avais des trucs à régler pour O'Leary. Il m'oblige à porter le trèfle quand je bosse pour lui. J'avais laissé ce foutu truc dans mon casier. J'ai donc décidé de passer par la porte de derrière. Joe avait mentionné qu'il voulait faire cet après-midi-là, mais j'avais oublié. Je me suis arrêté net en le voyant en train de hurler sur Bobby Yale du haut de l'échafaudage. Ça arrivait souvent? Il s'engueulait souvent. Ah, ça arrivait parfois que Joe soit obligé de le recadrer un peu, mais jamais comme ça. Apparemment, Bobby avait l'intention de faire un truc qui horrifiait littéralement Joe. Alors Joe l'a menacé d'annuler le match et de le virer du gymnase. J'avais pas envie qu'il me voie, alors je suis parti. Jake, pourquoi tu m'en as pas parlé? J'ai eu peur que tu m'en veuilles. T'avais tort. Je suis désolé. J'aurais dû t'en parler. Tout le monde fait des erreurs. On va être pédagogue. Ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs. Et ce n'est pas un gros mot. Je vais y aller. J'ai besoin de réfléchir à ce que tu m'as raconté. Merci, John. Non, j'ai rien à associer pour l'instant.
je peux encore lui parler ou pas? Te souviens-tu d'autre chose à propos de la dispute entre Jordan et Bobby Hale? Pas vraiment, non. Seulement de Joe qui gueulait « Si tu fais ça, j'annule le match et je te vire de mon gymnase !» Tout le monde n'a pas l'esprit aussi ouvert que Don. Il se trouve que je sais qui a barbouillé les casiers. Bah franchement, il est bien, Rangers. En plus, c'est un jeu qui est en partie français. Attends que je le retrouve, celui-là. Et tiré d'une bande dessinée qui est excellente, que je conseille. Et je suis en train de découvrir également. En tout cas, j'aime bien. Aller dans la ruelle. Est-ce qu'il y a des trucs dans la ruelle? Donc c'est vraiment à base de QTE et de... Non, là je peux pas y aller. Ok, c'est un dépotoir. Par contre c'est un peu chiant que la caméra bouge pas plus que ça. Il y a un clochard là, lui il doit savoir. Bonjour mon brave. Merde, il est aveugle. Bonjour à vous. John Blacksad, détective privé. Vous permettez que je vous pose quelques questions? Allez-y. Ah, il a pas de jambes. Auriez-vous vu quelque chose de bizarre dernièrement? Tout à fait, mon doux prince. Auriez-vous vu, mais il voit pas. Les jolies petites mirettes ont assisté à une parade d'éléphants roses. Alors forcément, je me suis joint à la fête. Ok, c'est le mec qui est sarcastique à mort. Je suis désolé de ce qui vous arrive. De quoi? Que je sois sobre? N'en faites donc pas pour ça. J'ai un plan pour y remédier. J'aime bien son humour. Écoutez voir un peu, prunelle de mes yeux. Faites-moi donc un petit plaisir en m'apportant un truc à manger. Ok. Ok, faut que je lui apporte un truc à bouffer. On dirait un extenseur de pectoraux, non? Discours et inégalité. Pourquoi ils floutent? Ouais, ils sont marrants les persos. En tout cas, le gars, je l'aime bien parce qu'il est très très sarcastique. Faut que je lui apporte à bouffer. Et peut-être me dira-t-il quelque chose. Bon, allez, il y a un escalier, je peux même pas grimper. Est-ce qu'il y a un kebab dans le coin? Putain, la musique se prête vraiment bien à l'ambiance. Je peux pas courir par contre. Non, on s'en fout. Putain, je peux sortir de mon angle de vision, ça c'est fort. Et je peux même pas aller lui chercher à manger. Ah si. Marie Purnell, la personne qui avait découvert le corps de Jordan. Putain, il va m'attaquer. Travaillait à deux pas du gymnase. Faut que je sois attentif. Je sentais que j'avais une solution sous les yeux. Mais une solution... Hé ! Regarde où tu vas, connard ! Je vais te coller mon poing dans la gueule ! Nique Mouk. Il vaudrait mieux éviter de trop me chercher. Mais va te faire foutre, t'as pas intérêt à ce que je revoie ta sale. Il peut que marcher le chat. Bah oui, il peut que marcher, oui. Mais pourquoi il s'en va lui? Putain, ça me fait rire. C'est comme les mecs qui s'arrêtent comme s'ils allaient te défoncer et quand tu ouvres ta portière, ils démarrent et ils partent en trombe.
Ah, mais un bon kebab avec de la bonne viande, c'est la base. Hein. C'est la base, Rangers. Moi, c'est un truc que je kiffe. Et ben voilà. Je vais pouvoir acheter à manger pour donner aux mendiants qu'il y a dans la ruelle. Et voilà pour vous. Je sens que ce jeu, je vais vous le faire en... Repassez vite au Sam's Diner. Je vais peut-être cumuler les épisodes parce que sinon je vais perdre... Bonjour madame. Bienvenue au Sam's Diner. J'ai vu sa photo à elle. Black Sad. Ah bah oui, c'est celle qui nettoie. Je travaille pour Sonia Dunn. J'aurais besoin de vous poser quelques questions à propos de Joe Dunn. Oh, bien sûr. Je sais pas si c'est une vache ou un mouton. Je travaille. Peut-être plus tard. Je vois pas d'autres clients. Je ne vois qu'un seul client installé au comptoir. Et il n'a besoin que de votre coopération. Bam, vas-y, parle. Très bien. Un hamburger. Pourrais-je avoir un hamburger, s'il vous plaît? Bien sûr. Avec ou sans fromage? Avec. Allez, je vais prendre un cheeseburger. Mm-hmm. Je pense que c'est une jeune femme de type bovin. Non, ce sera tout. Sur place ou à emporter? À emporter, s'il vous plaît. Mm-hmm. Mais c'est pour donner au monsieur aveugle dans la ruelle qui n'a pas de jambes. Un cheese à emporter, Sam. Ouais, ça roule. Alors. Ils ont l'air gonflés et fatigués. Des insomnies, des journées épuisantes. À moins qu'elle n'ait beaucoup pleuré. Peut-être tout ça en même temps. Ça sent bon. J'en connais un qui va se régaler. Mais il est sérieux, lui. De cannelle. Non. De cannelle et de hamburger. Ah, c'est dégueulasse, un hamburger, la cannelle. Burger frites, lol. Ah, c'est bon aussi, ça. Un menu complet. Ah bah ouais, carrément, hein. Putain, il y a encore un truc qu'il doit voir. Un cheeseburger son emporté. Son écriture est propre et belle. Est-ce qu'il n'est pas le cas de tout le monde actuellement? Parce que... Bah parce que les gens savent plus écrire. Je parle de la forme. Parce que tout le monde fait des fautes d'orthographe. Mais l'écriture est en général bien dégueulasse actuellement. Votre burger est prêt. Il n'a même pas touché le centre. C'est ce que je prends quand je vais chez McDo, lol. Est-ce qu'il va cracher le morceau? Bon, je vous laisse savourer votre repas. Quatre personnes ont emprunté la porte de derrière ce soir-là. Quoi? C'est pas parce que je n'y vois plus rien qu'il ne me reste pas de quoi écouter. Quatre personnes? Un gang? Quatre personnes sont passées par la porte de derrière il y a deux jours. C'est ça. Qui fut la première personne à emprunter la porte de derrière? Quelqu'un de costaud. Il a ouvert la porte, il est rentré, et puis il est ressorti aussitôt.
Ok, et le second ? Qui fut la seconde personne à emprunter la porte de derrière ? Un homme quelques minutes après la première personne. Il est sorti en marmonnant un truc du genre « Pauvre petit connard ingrat ». Ensuite, il a balancé un truc dans la benne. Et il est retourné à l'intérieur. Ah non, attendez. Avant ça, il m'a refilé une pièce. Une pièce ! Non, mais j'ai l'air d'avoir besoin de la charité des autres. Je pense à l'hôtel des mille étoiles. Lol. Et la troisième ? Qui fut la troisième personne à emprunter la porte de derrière ? En juger par les pas légers, je dirais quelqu'un de petit. Ça devait être du genre 30 minutes après que la seconde personne soit rentrée. Quelque chose a été jeté dans la benne. Et puis, j'ai senti que quelqu'un est resté planté devant moi un moment. Après, j'ai entendu un clic. Ensuite, la le ressort qu'il a autour de sa valise. Qui fut la quatrième personne à emprunter la porte de derrière ? Quelqu'un de costaud et qui respirait fort. La personne semblait pressée et elle a filé de ce côté. Comme si elle avait le diable aux trousses. Il y a un extenseur de pectoraux dans votre chariot. Un extenseur de quoi ? Un bidule à trois ressorts. Oh, le bidule à ressort. Je l'ai trouvé dans la benne, là derrière. Vous vous êtes comporté de manière un peu bizarre tout à l'heure. Mais maintenant, vous avez l'air plutôt normal. Comment ça se fait ? Vous avez une excellente vue, un excellent odorat et une excellente ouïe. Comment ça se fait ? Eh bien, je suis un chat. Eh bien, je suis un bouc. Allez, on va regarder un peu. On va zoomer. Aurait-il été conducteur de train ? Je me demande comment c'est de vivre sans jambes. Pourrais-je supporter ça ? Ah, je préfère être sans jambes que sans yeux. On dirait que quelqu'un s'en est servi comme punching ball. On dirait que quelqu'un s'en est servi comme punching ball. Ah bah ça, j'ai déjà lu. Aveugle et Kujat, comment fait-il pour s'en sortir ? Pas de soucis des Rangers, je te souhaite une très très bonne soirée, encore une fois, un très bon anniversaire à ton enfant qui a eu son anniversaire, je sais que tu en as plusieurs, je ne les connais pas donc je ne vais pas les nommer, mais bon anniversaire à lui. Merci à toi pour ta présence, pour ton passage, pour tes coms, prends soin de toi et à très très bientôt, l'ami. D'où sortez-vous ce pot de peinture ? De la benne, derrière. Un pot de peinture et un bidule à ressort. Quelle soirée ! Ce sera tout pour l'instant, merci. J'ai découvert des indices qui font fricoter mon cerveau. Alors, ça et le bidou d'Arceau, où est-ce qu'il est ? Bon, une chose est sûre, l'extenseur de pectoraux de la benne appartient à Yale. Est-ce que j'ai encore une intuition cérébrale ? Je pense pas. J'ai pas dû trouver assez d'indices. Il me manque des choses.
ça c'est un mur. Et je pense que je vais en rester là pour ce soir. 2 heures de live, belle découverte que Black Sad. Franchement, c'est chill. C'est vraiment chill. Moi, ça me plaît. La musique d'ambiance est excellente. Vraiment. Et moi, je kiffe. Parce que bon, c'est un peu dans mes styles de jeu, ce genre de jeu, enquête à QTE et tout. Et j'aime bien. Dommage le petit bug en milieu de live. Mais bon. Est-ce que je peux faire une sauvegarde? Comment ça se passe? Je vais regarder pour faire une sauvegarde. Peut-être sur le tableau d'après. Mais je vais pas tarder. Je préférerais une Cadillac jaune, mais... Je kiffe cette bagnole. Non, pas en jaune, non, pas en jaune, en rouge comme ça, elle cartonne. Ah. Ok. Il l'a ouvert pendant la guerre. C'est curieux. Ouais, tu sais, la guerre qui a pas touché les États-Unis. Je préférerais une Cadillac jaune, mais je ne vais pas me plaindre. Ah, c'est une Cadillac en plus. Eh bien, je pense que je vais en rester. Mais pourquoi il me pousse, lui? Oh, tu veux te battre? Oh! Putain, les passants, ils sont pas sympas. Hein. Bon. Enfin, bref. Donc, moi, je vais en rester là pour ce soir. En tout cas, merci à vous pour votre présence, pour vos messages, pour vos pouces. Ça me fait énormément plaisir. Merci beaucoup, Sand, pareillement. Ouais, franchement, le jeu me plaît. Le jeu me plaît, l'ambiance, l'atmosphère me plaît énormément. On verra au fur et à mesure. En tout cas, le prochain stream sera sur Black Sad. C'est certain. Parce que j'ai pas envie de perdre le fil de l'enquête. En tout cas, un grand merci à vous de votre passage, de vos pouces, de votre présence. Ça fait énormément plaisir. Comme d'habitude, bien sûr, si le contenu de la chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un pouce, un bleu, un vert, un orange, un violet, on s'en fout. Ça fait plaisir à partager, pourquoi pas, ça fait encore plus plaisir. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont dans la propos de la chaîne. Et je vous invite fortement à cliquer sur l'onglet chaîne, à aller checker les chaînes des potos, des modos et des contributeurs. Il y a beaucoup de contenus différents, beaucoup de styles différents. Et pourquoi pas des choses qui pourraient vous plaire, donc n'hésitez pas à... Allez checker le truc. On sait jamais. Ouais, les personnages sont rigolos. Ça change un peu. Franchement, j'ai fait pas mal de jeux en QTE comme ça, notamment toute la série Walking Dead, entre autres. Until Dawn aussi. Et franchement, graphiquement, l'ambiance, la musique, ici, ça me plaît. Ça me plaît. En tout cas, pour l'instant. On verra le développement de l'histoire, etc. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est très, très sympa. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Prenez soin de vous. Et je vous dis à ciao, ciao tout le monde.